À l'ouverture de cette session, le président du conseil régional de l'Anawa, Alain Donvahi, a indiqué aux conseillers que l'adoption de ce budget primitif est un impératif qui va permettre au conseil de poursuivre ses actions de développement en faveur des populations. Populations qui fondent leur espoir dans ce conseil eu égard aux chantiers réalisés et ceux en voie de construction. À l'entendre, ce premier trimestre doit voir le début de réalisation de certains projets, notamment la construction du siège du conseil régional, l'aérodrome de Mavou, la caserne de sapeurs-pompiers à Yabayo, la construction de la ferme pluridisciplinaire à Mayo, mais aussi et surtout la construction, la réhabilitation d'infrastructures scolaires, sanitaires et sécuritaires dans les 4 départements de la région. Les conseillers ont voté à l'unanimité le budget primitif 2015 de la région de l'Anawa, budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 3 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 34% par rapport au budget de 2014. Le préfet de la région de l'Anawa, Ali Kwadio, a rassuré le conseil de la disponibilité de toute l'administration à les accompagner dans toutes les actions de développement, non sans avoir invité les conseillers à la rigueur et au sérieux afin de satisfaire les nombreuses attentes des populations.